Tata, je sens que Clem appuie bientôt. Ouais. Donc pour faire un retour sur ce soir, ben oui, effectivement, c'est juste ce qu'il fallait pour terminer le cercle en entier. Moi, ça m'a beaucoup parlé, c'est vraiment chouette. Après, effectivement, il y a toujours plein de... Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir enregistrer là-dedans les phrases que parfois que tu nous donnes et qui sont tellement pleines de sens, en fait. J'en note parfois un mail câlin à soi avec les mains sur le cœur, être sa meilleure amie pour ne jamais en manquer. Enfin, voilà, c'est des phrases comme ça que j'aimerais absolument me souvenir pour toute ma vie. Donc, c'est chouette. Ça m'a beaucoup nourrie. C'était vraiment hyper bien. Donc, ce soir, c'était très fort, très intense. La méditation de 10 minutes. En effet, j'ai eu l'impression que ça a duré 2 minutes. J'étais bien dans mon corps, j'ai eu aucune douleur. Il y avait du bruit plein ma maison et pour autant, ça ne m'a pas gênée. J'ai su laisser venir, laisser partir. Enfin, vraiment incroyable. Je ne m'en serais jamais sentie capable. Donc, merci pour ça. Vraiment, c'est une très, très belle découverte pour moi, la méditation. Du coup, si je devais faire mon feedback sur... Alors, je la reprends. Voilà. Mon petit feedback sur toute la formation. Qu'est-ce que j'ai appris dans cette formation? Bah, à méditer, en fait, juste ça, tout simplement. À écouter mes émotions, me parler, en fait, à travers mon corps. Ça, je ne savais absolument pas le faire. Je l'ai découvert et encore ce soir, je trouve ça juste complètement magique. Ça, c'est vraiment très, très fort. Qu'est-ce que je vais introduire concrètement dans ma vie quotidienne? Bah, la calèche, le body scan, c'est déjà intégré du coup depuis ces 6 semaines, mais vraiment intensément depuis quelques jours. Donc, ça, c'est vraiment bien. Je le fais seule, je le fais avec mes enfants. Enfin, voilà, c'est du partage aussi. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie du coup de notre quotidien. Et c'est des choses que j'adore inculquer à mes enfants. Je trouve ça très chouette pour eux. J'aurais aimé qu'enfin on puisse me faire vivre des choses aussi, aussi belles. Quelles sont selon moi les particularités de l'école des méditations? Et je suis très émue rien qu'à lire ce que j'ai écrit parce que je l'ai fait il y a quelques jours. En fait, ce qui est vraiment particulier à cette école, c'est que tout y est inculqué avec amour et sincérité. Et ça fait une très, très grosse différence avec toutes les autres écoles dans lesquelles on peut aller. Donc, merci pour ça. Vraiment. Ça fait du bien. Je vois plus rien parce que j'ai les yeux tout embués. Qu'est-ce que la technique de la calèche m'a apporté? Eh bien, justement, de savoir écouter mon corps, mon esprit et de me repositionner dans mon moi. Et visuellement aussi, c'est magique cette calèche parce que rien que d'y penser ou de la visualiser comme ça, enfin, moi, je suis très visuelle et parfois, juste dans ma journée, paf, je la visualise et tout de suite, je me remets bien à ma place. Et ça, c'est vraiment incroyable. Quelles sont les bonnes idées que je peux proposer? Moi, je voudrais qu'elles durent toute la vie, tous les lundis. Je l'avais déjà dit, je le redis. Mais ça ne dépend aussi que de moi, parce que finalement, je peux faire ça, moi, tous les lundis, toute seule ou avec d'autres personnes, pourquoi pas. Mais ça, j'aimerais vraiment, parce que c'était vraiment un rendez-vous auquel je tenais. Enfin, voilà, c'était très important. Et est-ce que j'aimerais poursuivre dans l'école des méditations? Si oui, avec quoi? Alors moi, oui, en fait, j'ai envie, autant je suis déjà inscrite à des formations de rigologue en octobre. Je suis aussi sur plusieurs formations yoga du rire. Et j'aimerais tout faire, vraiment, chez vous. Donc, merci. Merci, je suis une grande fan, quoi. Mais voilà. Donc, il faut que je me trouve du temps et je ferai tout. Mais je vais prioriser. Donc, merci aussi, vraiment, avec tout mon cœur.